Monsieur le député de Papineau, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Vanier-les-Rivières pour sa déclaration. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un grand plaisir que je souligne aujourd'hui le 40e anniversaire de l'école secondaire La Camaradière, initialement connue sous le nom de Polyvalente du Berger-les-Saules. C'est en septembre 72 que l'école accueillait ses premiers étudiants, s'étant forgée une identité propre au fil des ans. La Camaradière a fait figure de pionnière en adoptant une charte des droits et des responsabilités des élèves en 95 et en instituant le poste de protecteur de l'élève en 1996. Des milliers d'étudiants ont bénéficié de la qualité de l'enseignement prodigué à la Camaradière. Parmi ceux dont le nom figure au mur des célébrités, mentionnons François Drolette, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Nagano, Sylvain Côté, hockeyeur professionnel de la LNH, et Julie Couture, journaliste et présentatrice au réseau TVA. Félicitations aux artisans de l'école secondaire La Camaradière qui ont contribué à faire de cette institution d'enseignement un milieu de vie qui stimule le goût de l'excellence et de la réussite. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Vanier-les-Rivières. Je cède la parole.